بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين معكم أستاذ محمد يحيى ومحمد عبد الجليل مؤسس مشروع نصر المعرفة والله نواصلوا في دروس متعلقة بلا بروبابيليتي اليوم راح نحلوا دي موديل باك على لي فاريابل اليتوار عندنا هذا الموديل باك سي ان اكزارسيس دو بروبابيليتي على مقبول الباك دي 2006 سيسيون كومبليمونتير بون Les données de cet exercice sont résumées ainsi, de tariqa. On a une île qui contient 3 boules blanches, ou 2 boules vertes, ou 5 boules rouges. On a le total 10. On tire simultanément et au hasard 2 boules de cette île. Il donne le nombre tiré 2 boules. La façon de tirer, c'est de manière simultanée. On a les types de tirage sont les tirages simultanés. السؤال الأول مطلوب شنو؟ كلي لا probability de tirer deux boules blanches. طبعا لا probability de tirer deux boules blanches. بما أن les tirages sont simultanés نستخدمو les CNP. les boules blanches بدين قبول لامن شي بلان. معناها لنا لنقبو deux parmi les blanches بما trois et zéro parmi les restes. C'est le nombre de tirages possible. سي دو 3 تعطيني 3 لماذا؟ بلي سي ان ان موان زار بشكل عام تعطيني 1 و سي 07 تعطيني 1 و سي 10 سي دو 10 تعطيني 45 بهذي عبارة عن A دو 10 اللي هي 10 فوا 9 اللي فيزي بار فاكتوريال 2 اللي هي 97 اللي هي 45 لا probabilité de tirer deux boules vertes les boules vertes طبعا كنت نقول من لا parmi les boules vertes Là, il faut choisir deux parmi deux et le connecteur logique. On le nombre de tirages possible est au CD10. CD2 est obtenu 1, mais CN1 est obtenu 1. Ou CD08 est obtenu 1, mais CD01 est obtenu 1. Le HACAM est obtenu 1. تحت لا يتعود فيه CD10 اللي هي 45 نعطيكم كما عدلناها CD10 تعطيني A210 سي الفاكتوريال 2 هذا التعريف غير A210 عبارة عن سلسلة بعد من 10 وطولها 2 اللي هي غابو اللي هي 10 فوا 9 ديفيزي بار فاكتوريال 2 اللي هو 2 هاي يعطيني 90 ديفيزي بار 2 هاي يعطيني 45 Donc, on a un haïr de 45. Bon. La probabilité de tirer deux boules rouges. Maintenant, j'ai choisi deux parmi les rouges. Ou zéro parmi les respires. Il vaut les deux. Et le nombre de tirages possible. C5, il y a. Voilà, C5D, il y a. 10, il y a. C5D, il y a un H. Par un A5-2, c'est le factoriel 2. A5-2, c'est le BADM 5, galop tout le 2, il y a 5 fois 4 sur 2. Le factoriel 2, il y a 2, il y a 20 sur 2, il y a 10. Il y a 10 divisé par 45. Bon, alors que ça, mais elle car déduisons la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes. Hommes les boules, immédiat de même couleur ou de couleurs différentes. Maintenant, l'événement deux boules différentes ou l'événement contraire de deux boules de même couleur. Mais sa probabilité est de 1 moins probabilité de A bar de chacun. Tu as 1 moins probabilité de A. Maintenant, la probabilité de demander, on est 1 moins. La probabilité d'avoir la même couleur. Il y a une de couleur blanche, voilà de couleur verte. Voilà. De boules vertes. Voilà. De boules de couleur rouge. Elle a obtenu 1 moins 14 sur 45, il y a 31 sur 45. طبعا, le soir, qu'est-ce que nous avons dit par exemple, stable. Nous avons directement. نحسب لها probability d'avoir des boules de couleurs différentes.
النبض اللي بقول ده كلها ديفرنت، إما واحدة بلانك والثانية فيرت، واحدة بلانش سي ان تواه والثانية فيرت سي ان دو على لانسامبل دي بوسيبيليتي دي تراج. والله واحدة بلانش والثانية روج، والله واحدة روج وفيرت والثانية روج. هذا هو اللي قد صح تشكيل الألوان. نعود إلى كل الديفرنت، إما واحدة بيضة وواحدة خضراء، واحدة بيضة وواحدة خضراء، والله أو يترتب عليها بليس. بلوط الاحتمالات، الكونكتور لوجيك إي يترتب عليه فوا، والكونكتور لوجيك أو يترتب عليه بليس. إذن واحدة بيضة وواحدة خضراء، والله واحدة بيضة وواحدة حمراء، والله واحدة خضراء وواحدة حمراء. على النمبر دي تراج بوسيبل. عندي سي ان ان تعطيني ان، معناها هاي يعطيني 3 فوا 2 اللي هي 6. الثانية تعطيني 3 فوا 5 اللي هي 15، والثالثة تعطيني 2 فوا 5 اللي هي 10. تعطيني 13 45، وبالتالي النتائج متوافقة. سوا استنتجناها من اللي شفناه في برنا، والله حسبناها بشكل مباشر. بون جيري اكسبليك. اجوردي اون فا كومونسي لا، اون فا دوني لي كوريجي دو certains exercices type BAC relatifs à la probabilité, plus particulièrement aux variables aléatoires. Bon, on a cet exercice du BAC D 2006 session complémentaire. On a résumé ici les données de cet exercice. On a affaire à un tirage simultané de 2 boules parmi 10. Et la répartition des couleurs de boules est la suivante. On a 3 blanches, 2 vertes, 5 rouges. Première question, on demande la probabilité de tirer 2 boules blanches. Bon, la probabilité de tirer 2 boules blanches, c'est de choisir, c'est l'ensemble des possibilités de choisir 2 boules parmi 3, parce que les blanches sont 3. C'est les 3, choisir 0 parmi les. Si on choisit 2, donc on ne prend aucune des restes, donc choisir 0 parmi les restes, c'est le nombre de tirages possibles. Donc ça donne 3 sur 45. La probabilité de tirer 2 boules vertes. Donc on choisit 2 parmi 2 parce que les boules vertes sont au nombre de 2. Et 0 parmi les restes, c'est le nombre de tirages possibles. Donc c'est 1 sur 45. Pourquoi? Parce que c'est des 2 égale 1. Parce que de manière générale, c'est n égale 1. Et c'est n0 égale 1. Donc ça, tout ça, ça donne 1. C'est des 10, ça donne 45. Parce que ça donne 10 fois 9 sur factoriel 2, ça donne bien 45. La probabilité de tirer 2 boules de rouge est, on choisit 2 boules parmi les rouges et 0 parmi les restes. C'est le nombre de tirages possible. Donc ça donne en définitive 10 sur 45. Pour la deuxième question, on demande d'en déduire la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes. Bon, si on considère A comme étant l'événement, les boules tirées sont de même couleur. Les boules tirées sont de couleurs différentes égale A bar. Et on sait que probabilité de A bar égale à 1 moins probabilité de A. Donc c'est égal à 1 moins probabilité de tirer 2 boules de même couleur. Donc qu'elles soient blanches ou vertes ou rouges. Donc 1 moins cette somme-là, ça donne 1 moins 14 sur 45. Ça donne 31 sur 45. Le texte ici nous a demandé de déduire, donc on a fait la déduction. Mais on pouvait calculer cette probabilité de manière indépendante, de la manière suivante. La probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes, on peut la calculer de la manière suivante. On prend une boule blanche et une boule verte, ou une boule blanche et une boule rouge, ou une boule verte et une boule rouge, c'est le nombre de tirages possible. Ici on trouve C1, 3, C3, parce que de manière générale c'est 1 donne 1. C1, 2, C2, donc ici on aura 3 fois 2, donc 6. L'autre on aura 3 fois 5, c'est 15. Et l'autre on aura 2 fois 5, c'est 10. Ça donne bien 31 sur 45. Donc les deux résultats sont concordants. On passe maintenant à la question suivante, question 3, qui est relative aux variables aléatoires. Nous allons voir ce que le bac.
l'exercice du bac et les probabilités. Question numéro 3. Andna, un jeu. Donc, les jeux, nous n'avons pas les catégories. On tire simultanément au hasard deux boules de ce tir. Si elles sont blanches, on gagne 25 points. Si elles sont vertes, on gagne 100 points. Si elles sont rouges, on gagne 12 points. Si elles sont de couleurs différentes, on gagne 2 points. On a une variable aléatoire X définie par les gains obtenus. مطلوب la loi de probabilité de X. On a un canon qui marche à la variable aléatoire. Donc, très simple, résumons par un tableau. Il y a bien les valeurs dictées par la variable aléatoire ou la probabilité d'obtention de chacune des valeurs. On a un qiyam, qiyam de l'intérieur à choix X, ou estimé le poursuivre de la coule qiyam. طبعا, X, les gains, les guides de sortir. On a الربح المترتب على هذه العملية إما 25 point في حال تحطي le 2 بول بلانش والله 100 point في حال تحطي le 2 بول فرد والله 12 point في حال تحطي le 2 بول روج والله 2 point في حال تحطي le 2 بول de couleur différente. إذن les valeurs possibles قيم اللي تقبع X هي 25 و 100 و 12 و P عقبك احتمال الحصول لكل قيمة احتمال الحصول ل 25 اللي هو احتمال الحصول ل 2 بول بلانش. Donc, si on a fait un peu de temps, on a 3, c'est 45. L'estimé de l'essor de 100, là où l'estimé de l'essor de 2 boules vertes, donc on a 1, c'est 45. L'estimé de l'essor de 12 points, là où l'estimé de l'essor de 2 boules rouges, donc on a 10, c'est 45. L'estimé de l'essor de P points, l'estimé de l'essor de boules de couleurs différentes, donc 31, c'est 45. من يطلع عندي الواد دي probability يلا دائما قرشون المجموع يعطيني انا صحيح اللي هون تايتو عندي 41 بليس 1 42 45 45 اللي هي 1 طبعا كل واحدة منهم بين 0 و 1 بون عقباك طلب منا نحسبو الاسبيرانس ماتيماتيك اللي هو الامل الرياضي طبعا الاسبيرانس ماتيماتيك ما في مشكلة كل قيمة نضربوها في احتمالها اذا نقبل القيمة الاولى مضروبة في احتمالها هذه اللي هي 25 fois 3, c'est 45, plus 100 fois 1, c'est 45, plus 12 fois 10, c'est 45, et le tel est 31, c'est 45. Les jmahons, les jmahs de taille, venez à l'état sur l'andi, 295 plus 31 plus, c'est 45. Et là, où est l'espérance mathématique? L'action au mana, c'est le mana de l'initié de salaire. Aïe, mana, l'en, même tout. لقاه وبتاني مقابل لبول دو كولور ديفيرونت هو بي لا يقول ان موين لا موين اسبيري دي جان هي 295 بلس 31 بي سير 45 عقداك طلب منا نحسبوا قيمة بي في حالة الاستراس ماتيماتيك ايكال 10 بسيط حل ايكواسيون دو بريمي ديغري و تو يعني الاستراس ماتيماتيك ايكال 10 نكتبها ايكال 10 ونحسب الاجبار بي ايكال 5 بالتالي conclusion l'espérance mathématique égale 10 في حالة P égale 5 لكن شنو معناه؟ معناه نحب نعدل هذا الاجرار في حالة P égale 10 معدل النقاط اللي يارتو يتوقع هو بليتو العكس في حالة P égale 5 معدل النقاط اللي يارتو يتوقع هو 10 Donc c'est la moyenne espérée, le معدل اللي متوقع هو 10 في حالة P égal à 5 هذه هي معنى النتيجة Bon, je réexplique Dans cette troisième question de cet exercice du bac D 2006 session complémentaire relative à la probabilité on considère toujours le tirage simultané de deux boules parmi les 10 boules qu'on avait obtenues auparavant et dont les couleurs sont ainsi réparties, 3 blanches, 2 vertes et 5 rouges. Bon, si les deux boules tirées sont blanches, on gagne 25 points. Si elles sont vertes, on gagne 100 points. Si elles sont rouges, on gagne 12 points. Si elles sont de couleurs différentes, on gagne 2 points. On demande de donner la loi de probabilité de X. La loi de probabilité de X, autrement dit, c'est la règle du jeu. Pour donner la loi de probabilité de X, il faut donner les valeurs que peut prendre X et la probabilité d'obtention de chacune de ces deux valeurs-là. En général, on les résume sous forme d'un tableau.
Évidemment, les valeurs que peut prendre X sont 25 dans le cas où on tire de boules blanches, 100 dans le cas où on tire de boules vertes, 12 dans le cas où on tire de boules rouges, et P dans le cas où on tire des boules de couleurs différentes. Mais la probabilité d'obtention de 25 points, c'est exactement la probabilité d'obtention de 2 boules blanches. Et on l'a déjà calculé, c'est 3 sur 45. La probabilité d'obtention de 100 points est la probabilité d'obtention de tirer 2 boules vertes, qui est égale à 1 sur 45. La probabilité d'obtention de 12 points est égale à la probabilité de tirer 2 boules rouges, qui est égale à 10 sur 45. Et la probabilité d'obtention de peu points égale à la probabilité de tirer deux boules de couleurs différentes, qui est égale à 31 sur 45. Quand on a une loi de probabilité, il y a certaines précautions dont il faut en tenir compte. Premièrement, chaque probabilité est un nombre compris entre 0 et 1. Ensuite, la somme des probabilités égale à 1, ce qui est le cas ici. Parce que si on fait la somme, on trouve 45 sur 45 égale à 1. Ensuite, on demande de calculer l'espérance mathématique. L'espérance mathématique d'après les cours passés, c'est très simple. On multiplie chaque valeur par sa probabilité. Donc on aura 25 fois 3 sur 45, plus 100 fois 1 sur 45, plus 12 fois 10 sur 45, plus P fois 31 sur 45. Tout calcul fait, on obtient 295 plus 31 P sur 45. Pour la dernière question, on demande de trouver la valeur de P si l'espérance mathématique de X égale 10. C'est très simple, on résout une équation du premier degré. Donc on pose cette expression égale à 10, on fait le calcul, on trouve P égale 5. Donc espérance mathématique de X égale 10, c'est seulement si P égale 5. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en menant ce jeu-là, et en supposant que P égale 5, le nombre de points que l'on espère obtenir est égal à 10. On passe maintenant à notre exercice. Bon, nous continuons la correction des exercices relatifs à la probabilité destinés aux élèves préparant le bac D et C. Bon, on a l'exercice du bac D 2013 session normale. Voilà, on a ملخص المعطيات اللي مسي دوني. عندنا une urne avec 4 boules blanches et 2 boules noires. On a un total de 6. هاي الurne tire منها 2 boules de manière simultanée. On a le nombre qui est 2 boules ou le type d'étalage ou l'étalage simultané. وعندنا كيسة اللي هو سؤال جواب متعدد. عندنا عدة أجوبة فيها واحد هو اللي صالح. يعطينا نختار الجواب اللي صالح. Première question, quel est le nombre d'étalages possible? طبعا الجواب هو le nombre d'étalages possible هو C2-6. لماذا؟ Le total 6 ou le nombre tiré 2 ou non l'étalage ou l'étalage simultané. وفتنا قلنا في الكور dans le cas des tirages simultanés, application du dénombrement des tirages, dans le cas des tirages simultanés, nous utilisons les CNP. Donc la bonne réponse A est A car les tirages sont simultanés. Pour la deuxième question, A0 ou l'événement, on n'a obtenu aucune boule noire. On a obtenu deux boules ou l'avion noir. C'est l'événement A0. Nous savons la probabilité de A0. Quelle est la probabilité, un tirage de deux boules simultanées, ma vie wahda noir. On a A 4 sixième, ou B 6 quinzième, ou C 4 6 au carré. Et il y a la bonne réponse. La bonne réponse est B, il y a 6 quinzième. L'image de B est li. L'étalage n'a vu aucune boule noire. On a vu 0 boule noire. Au bétail, avec 30 balles, on a vu 2 blanches. Il y en a sur bout 2. Il y a 4 blanches ou 2 noires. Et nous avons dit, on a vu 1 noire, on a vu 1 blanche. 2 parmi les blanches et la cabine de 9 fois. Le connecteur logique est égal ou bar, n'est-ce pas, les opérations. C'est 0,2. Quel est le nombre d'étalages possible? Il y a aussi 2,6. CD4, حساب ما في مشكلة عطينا 6 باللي 4 فوا 3 12 ديفيزي بار فاكتوريال دي اللي هي 6 فاكتوريال دي اللي هو 2 4 فوا 3 12 ديفيزي بار 2 فاكتوريال اللي هي 12 سير 2 اللي هي 6 و 6 2 اللي هي 15 لماذا؟
6 fois 5, 30, divisé par le factoriel 2, qui est 31, 15. Donc la bonne réponse finale est B. Le A1, A1 chez nous. A1 c'est l'événement où on a obtenu une seule boule noire. Maintenant, nous avons deux boules où nous avons une boule noire. يعني ودي صحابنا دير بول فيهم واحد نوار وما يسحبوا ثنتين معناها اوبليغاتوارمون فيهم واحد بلانش لا بون ريبونس ا هون هي 8 15 يعني لماذا لان شوفوا هون هو بي ان معناها صحاب الاتراج فيه نسل بول نوار معناها واحدة بارمي لي نوار اي اون دوزيام بارمي لي بلانش اللي حنا نسحبوا دو الا لو نمبر دي تراج بوسيبل سي ان دو اللي هي دو سي ان كات تعطيني كات اللي بشكل عام سي ان ان تعطيني ان اللي هي يعطيني 8 سير 15 معناها لا بون ريبونس ديالهم هي بي ا دو ليفينمون اون ا اوبتوني دو بول نوار اون ا اوبتوني دو بول نوار لا بون ريبونس هي ان سير 15 سي وطالع هون ان سيزيام ودو سيزيام وان سير 15 لا بون ريبونس اي ان سير 15. Pourquoi? Bihili, si on a obtenu deux boules noires, deux boules noires, d'abord parmi deux. Bihili, les boules noires, là deux. Donc c'est des deux. Maintenant, les blanches manquent dans le mouchi. Donc fois C0, 4. Divisé par C2, 6. C2, il y a 1, C0, 4, t'as tenu 1, Mali. Bihili, pièque le 1. C1, t'as tenu 1, C0, t'as tenu 1. T'as tenu 1. Le dénominateur, on a dit 15. Bihili, c'est des 6, 9, 9, 5. بالنسبة لها كيسيون نيميرو 5 سؤال رقم 5 عندنا اكس فاريابل اليتوار معرفة باش معرفة ب لنومبر دو بول نوار تيري ما وقال عطانا سون اكسبيرونس ماتيماتيك عطانا عدة خيارات هي قالنا سون اكسبيرونس ماتيماتيك اما دو تيار ولا سياس كانزيام ولا كات اي من هي لا بون ريبونس هذا اللي نوضحو اولا اكس اون فاريابل اليتوار معرفة باش بالنومبر دو بول نوار تيري نومبر دو بول نوار معناها شنو القيم اللي تكتبها اكس اما تقبل لا فالور 0 بيدي نقدو معناها نكبو نقول نوار ولا تقبل لا فالور 1 بيدي نقدو دي تراج ان سيل بول نوار ولا تقبل لا فالور 2 بيدي تراج نقدو في دو بول نوار اذا هما لي فالور بوسيبل دي اكس دي اكس دو اوميغا دي 0 1 2 1 2 نعرفوا على الاسبيرانس ماتيماتيك حد دورها يجبر لي فالور ويحسب لا بروبابيليتي دي شاكين دي فالور ويقبل لا بريمير فالور فاس ا بروبابيليتي بليس لا دوزيام فاس ا بروبابيليتي الين يوفا على كل حال لحد هاي المسألة ما يوضح لها حتى يرجع لليكور السابقين هون لاحظ ان probability بور كي اكس بريم لا فالور اي اي ديك تقعد زيرو ولا ان ولا دي متقاد هي احتمال probability لا اي مثلا احتمال الاكس ياخذ القيمه زيرو معناها اكس ياخذ القيمه زيرو شنو معناها معناها النمط دبل لايك تيري اي زيرو ذاك مساوي احتمال بي ا زيرو لان ا زيرو هو النمط دبل لايك تيري ne contenant aucune boule noire. Ou là, peut-être que c'est brun. Là, 6 sur 15. Ou احتمال X, tu as pas la valeur 1, ou احتمال, le tirage est une seule boule noire. Ou là, peut-être que c'est brun, 8 sur 15. Ou احتمال X, tu as pas la valeur 2, ou احتمال, les deux boules tirées sont noires, ou 1 sur 15. L'espérance mathématique, là, la première valeur, qui est 0 fois 6 sur 15, face à la probabilité. Puis la deuxième valeur, qui est 1, face à la probabilité, qui est 8 sur 15. Puis la troisième valeur, qui est 2, فصا probability دي 1 سير 15 طبعا 0 فا 6 15 تعطيني 0 و 1 فا 8 15 تعطيني 8 15 8 فا 2 فا 1 سير 15 دي 2 سير 15 اللي هي في النهايه تعطيني 10 سير 15 اذا 10 سير 15 سيمبليفي بار 5 تلقى لي 2 سير 3 اذا فعلا لا بون ريبونس هي بي يوفا هذا ليكسارسيس بون جي ريكسبليك ici on va donner le corrigé de l'exercice de probabilité du bac D 2013 session normale. D'abord, un petit résumé sur l'énoncé de l'exercice. On a affaire à une urne contenant 4 boules blanches et 2 boules noires. Donc le total des boules est 6. Le nombre on tire 2 boules de manière simultanée. Donc le nombre tiré est 2 et le type d'étirage est un tirage simultané. Donc si vous avez, de manière générale, si vous avez affaire à un tirage, il serait souhaitable de faire un petit résumé qui visualise en quelque sorte les données. C'est ce qui est fait ici. Bon, on a affaire à un QCM. Bon, on nous propose trois réponses dont une seule est la bonne. Il faut choisir la bonne, mais on va justifier le choix dans chaque cas.
D'abord, le nombre d'étages possibles, est-ce que c'est C2-6 ou A2-6 ou 6 au carré? Évidemment, le bon choix est A. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à un terrain simultané, donc on utilise des CNP. Pour la question 2, donc la bonne réponse est A, car les terrains sont simultanés. La question 2, A0 est définie comme étant l'événement, on n'a obtenu aucune boule noire. Donc, on a fait un tirage ne contenant aucune boule noire. Quelle est la probabilité de cet événement? Est-ce que c'est 4 sixième ou 6 quinzième ou 4 sur 6 au carré? La bonne réponse est B, c'est-à-dire 6 sur 15. Pourquoi? Parce que, ici, si on a tiré deux boules, si on a fait un tirage de deux boules, ne contenant aucune boule noire, qu'est-ce qu'on aura? Attendez, je réexplique. La question 2. A0, c'est l'événement, on n'a obtenu aucune boule noire. C'est-à-dire qu'on a fait un tirage de deux boules, donc aucune n'est noire. Donc si les deux boules tirées contiennent zéro boule noire, c'est que ce sont les deux branches, parce que la composition de deux est formée de quatre boules blanches et de deux boules noires. Donc s'il n'y a pas de boules noires, c'est que toutes les boules tirées sont blanches. Et les boules blanches ne peuvent être choisies que parmi les boules blanches. Donc c'est C2-4 fois C0-2. C'est le nombre d'étages possible, c'est-à-dire C2-6. C2-4, c'est 6. Et C6-2, c'est 15. C4-2, c'est 6. C2-0, c'est 1. Donc on trouve 6. Et ici, on aura 15. Donc effectivement, la bonne réponse est 6 sur 15. La question numéro 3. A1 est l'événement, on a obtenu une seule boule noire. Est-ce que la probabilité de l'événement, est-ce que c'est 8 quinzième ou 1 sixième ou 2 sixième? Quelle est la bonne réponse? La bonne réponse est A, c'est-à-dire 8 quinzième. Pourquoi? C'est ce qu'on va justifier ici. Si on a obtenu une seule boule noire, donc obligatoirement l'autre boule est blanche, d'après la composition de l'air. Pensez que l'air est composé de 4 boules blanches et de 2 boules noires. Si on a pris une seule boule noire, c'est qu'on a pris une autre qui est blanche. Donc, on choisit une parmi les deux noires et il y a une multiplication ici. Le connecteur logique et se traduit mathématiquement par fois, du point de vue des opérations. Donc, fois C1-4 sur C2-6. C1-2 sur 2, pourquoi? Parce que de manière générale, c'est un n égale n. C'est 1-4 égale 4, donc j'aurai 2 fois 4, c'est 8. Et C6-2, c'est 15. Donc, on a bien 8 sur 15. Donc, la bonne réponse est effectivement A. AD est l'événement, on a obtenu deux boules noires. La probabilité d'AD, est-ce que c'est un sixième ou deux sixièmes ou un quinzième? Évidemment, la bonne réponse est un quinzième. Pourquoi? Parce que si on a tiré deux boules noires, le nombre total tiré est 2. Donc, on n'a pas tiré de boules blanches. Donc, probabilité d'AD, c'est CD2, parce que les boules noires sont au nombre de 2, fois C04. Plutôt C04, c'est bien sûr. Parce que les deux noirs et 0 parmi les blancs. Les blancs sont au nombre de 4. Donc C2 fois C04, c'est le nombre d'étages possibles, c'est C2-6. CB2 c'est égal à 1 parce que de manière générale CNN égale 1. C04 égale 1 parce que de manière générale CN0 égale 1. Donc on trouve 1 au numérateur. Et C2-6 ça donne 15. Une remarque, dans ce genre d'opération, vous avez toujours ce qui est en bas, la somme, ce qui est en bas égale au total, et la somme, ce qui est en haut, égale au nombre tiré. Bon, pour la question 5, on a défini une variable aléatoire x de la manière suivante, x égale au nombre de boules noires tirées. On a demandé, est-ce que l'espérance mathématique de x égale à 2 tiers, ou 16 quinzième, ou 4, quelle est la bonne réponse? Évidemment, la bonne réponse est 2 tiers. Pourquoi? Parce que d'abord, je rappelle que pour calculer l'espérance mathématique d'une variable aléatoire, on trouve d'abord les variables de la variable, on trouve la probabilité d'obtention de chacune des variables, et on fait le produit sigma des x et pi, c'est-à-dire on multiplie chaque valeur par sa probabilité et on fait la somme. C'est la règle générale. Bon, on va vérifier ce résultat-là avec cette règle générale. Quelles sont les valeurs possibles de x? X égale au nombre de boules noires tirées.
Donc ce nombre peut être 0 ou 1 ou 2. Donc x de oméga égale 0 en 2. La probabilité pour que x prenne la valeur 0, c'est la probabilité d'obtenir 0 boule noire. Donc c'est la probabilité de A0. La probabilité pour que x prenne la valeur 1, c'est la probabilité d'obtenir une seule boule noire. Donc c'est la probabilité de 1, 1, de A1. Et pour 2, c'est la même chose, probabilité de A2. Et de manière générale, probabilité pour que x prenne la valeur i égale à PAI. Et ça, on a déjà calculé. P de A0, c'est 6 quinzième, c'est déjà calculé. P de A1, c'est 8 quinzième, c'est déjà calculé. Et l'autre, c'est 1 quinzième. L'espérance mathématique, c'est quoi? La première valeur plutôt, fois son espérance, fois sa probabilité. Donc, c'est 0 fois 6 quinzième. Plus la deuxième valeur fois sa probabilité, donc 1 fois 8 quinzième. Plus la dernière valeur fois sa probabilité, donc 2 fois 1 quinzième. En faisant la somme, on trouve 10 sur 15, ce qui donne bien 2 sur 3. Donc effectivement, la bonne réponse est 2 sur 3. Bon, on a tendance dans ces derniers bacs-là, la tendance générale est que les exercices de probabilité soient présentés sous forme d'un QCM. En général, on ne demande pas de justifier les réponses. Mais il est souhaitable de connaître d'où viennent ces réponses-là, c'est-à-dire de ne pas répondre au hasard. Il faut avoir une idée très claire sur le choix de la réponse. Pourquoi on a choisi telle réponse? Bon, je vous remercie.